Alors, est-ce que ça marche le stream? Est-ce qu'on va pouvoir se lancer? On va commencer par Castlevania. On va tester juste si la scène fonctionne. Non, j'ai refait tous mes habillages pour que ça soit magnifique avec des jolis live splits. Ça va être trop beau. Salut Ocrex, comment ça va? Oui, Castlevania NES. What? C'est incroyable ça. Ça fonctionne pas! Vous entendez un peu le bruit de Castlevania? J'arrive pas à voir. Oh merde! Attendez. Qu'est-ce qui se passe? Tout plein de marche! Ben voilà, c'est censé faire comme ça. Exactement. Et là, en fait, mon live split, le twin sans ton pantalon. Je sais pas pourquoi il veut pas ouvrir mes splits sans Castlevania. C'est trop bizarre. Lovely Planet, ça fonctionne. Mais Castlevania, ça fonctionne pas. Attends, open split. Comment je fais pour open split from file, voilà. S'il cherche casse. Ah, ça me pète les couilles. On va aller voir dans le pack officiel Decathlon, parce qu'il y a tous les splits dans le pack officiel Decathlon. Castlevania. Castlevania.ss. Voilà, c'est fantastique. Allez, zou. On va pouvoir commencer, on va essayer de gratter des points. Alors, est-ce que Twin s'est habillé? Oui, je suis habillé complètement. Les icônes, voilà, donc mon nouvel habillage avec un truc très sombre, l'icône du jeu et des gros splits, normalement ça devrait aller. Est-ce que le son est chelou? Ah, attendez, est-ce que le son est bizarre? Audio, audio output, audio, speakers, défaut. Mic, non, ça devrait être bon. Est-ce que ça fonctionne le son? Ça marche pas, on annule l'UD3, est-ce que ça fonctionne le son? Bon, je... On va voir si ça marche mieux. Est-ce que le son est bien? Le son est chelou. Putain, mais fais chier, pourquoi le son est chelou? Allô, allô, est-ce que... Ah, c'est mieux. Waouh, ça a l'air mieux. Désolé, j'ai donné un gros coup de mon micro apparemment. Beaucoup mieux. Ouais, donc c'était en fait, j'ai une nouvelle webcam et apparemment, ça avait choisi. Là, c'est mieux. Bah, c'est parfait. Désolé, donc j'espère que j'ai pas fait tout le live avec ce DV comme ça. Donc Castlevania. Le timer commence quand on prend contrôle du personnage. Facile. Et j'ai pas de musique. Ça commence bien. Alors de temps en temps, l'émulation Castlevania plante la première musique du jeu. C'est quand même super dommage. Je propose qu'on reset pour pas faire tout le jeu sans truc. Ok, on va faire. Oh, je pensais que ça allait revenir, mais apparemment ça a pas voulu. On va voir. On va voir si ça fonctionne. Donc là, c'est vraiment juste pour gratter le plus de points possible, comme un salaud au début. Hein. Voilà, ça y est, on a de la musique. Ah bah GG. Salut Zigoui, bravo l'émulateur. Non mais je sais pas pourquoi. Alors, dans le pack, j'ai mis Nestopia et FCUX. Donc vous pouvez utiliser l'un ou l'autre ou un autre émulateur. J'en ai rien à barrer. Donc vous faites absolument ce que vous voulez sur plein de trucs. Hop là, donc là je vais me prendre un coup comme un salaud. Je sais pas jouer au jeu, hein, donc encore une fois, on découvre. Alors Julian Tweet, les jeux. On va commencer par Castlevania, ensuite il y aura du Mario Bros 2. Voilà, je vais pas te spoiler plus que ça. Est-ce qu'il y a des timers avec les splits déjà faits? Oui. Alors dans le pack, il y a Live Split. Il y a tous les splits, donc vous pouvez vous démerder avec tout ça. C'est pas un problème. On peut même utiliser une NES, exactement. C'est pas opti, il faut sauter avant de rentrer dans le château pour avoir moins de marche automatique. Ah! Je ne savais pas. Ouais, je ne sais pas plein de trucs et on va découvrir ensemble. Alors, il doit y avoir plein de gens qui connaissent très bien le jeu. Oh, mais merde, il n'y a pas de son du jeu. Vous vous entendez pas de toute façon. Ah, oh, quel con. Excusez-moi. Personne pour me le dire. Ok, tout va bien. Là, je sais, il fallait faire un skip. Vous inquiétez pas. Normalement, tout a été fait pour que ce soit vraiment friendly. Hein. Ta NES du Japon va ressortir, et oui, sur deux jeux. Donc c'est cool. Attendez, je stream bien sur la bonne chaîne, là. J'ai les notifs de subscription sur Ultime Décathlon, c'est un peu chelou. Si on l'avait dit, excusez-moi, excusez-moi. Je suis un peu con. Bon,
Voilà, facile. On a trop de haches, on s'en fout pour l'instant. Faut attendre d'être validé pour accéder au pack. Je sais pas. Je sais pas où est le pack. Normalement, peut-être Romuald Man, ouais. Il faut peut-être être un runner de l'UD. C'est top le pack. Ouais, mais c'est fait pour. Normalement, on essaye vraiment de faire en sorte que ça soit le plus accessible possible. Je suis pas en train de hoster ou une connerie comme ça. Non, tout va bien. Ok, bon, excusez-moi, je perds tous mes moyens. Comment ça, Twin joue à Super Metroid? Mais non, je joue à Castlevania. T'es sérieux? Si c'est juste pour me faire chier, je suis pas content. Bah non, ça dit Castlevania, Zigouigoui, vous avez fumé. Hashtag pas content. Merci Killaï, voilà des gens de confiance, hein. Clément Gallet, Killaï, speedrunner et... je sais pas pourquoi j'ai dit ton nom, excuse-moi. Je pète un plomb, mais c'est la fatigue on va dire. Je suis très très content que cette annonce d'Ultime Décathlon soit passée, on va pouvoir se reposer. Voilà, donc le lien méga pour ceux qui veulent... Oh non, quel con. Bon, excusez-moi, ça fait n'importe quoi. Titan. Je sais pas pourquoi, je suis complètement dans les vapes. Hashtag croisillon. La fatigue d'un homme. Je sais pas comment on fait le... Pas de soucis, il est totalement public. Non mais... Ah mais putain, casse-toi. Juste par cohérence de l'esprit, quoi. Ah, raté. Allez, viens. Hop. Voilà. C'est pas grave, on va le faire à l'eau bénite. Le problème, c'est que je sais pas faire le niveau 3 à l'eau bénite, je crois. Il y a peut-être une croix quelque part après. Le pack il est méga complet. Ouais, j'ai essayé de faire en sorte qu'il ait. Il y a plein de trucs. Et le site est génial. Bah, alors, ça, il faut le dire à Arrest. Hein. Il y a des gens qui ont fait vraiment un gros gros travail sur ce site. Et j'avoue tout. Je suis un peu un salaud, mais je croyais pas qu'il serait si bien. Allez, on va se reconcentrer un tout petit peu. On va essayer de faire un tout petit peu mieux pour faire des points directement. Donc là, techniquement, hein, je peux soumettre déjà un run. Indigest, c'est dans le chat? Je l'ai pas vu. Pidabidoum. Pipalapapulapadoum. Ah, bon, qu'est-ce que vous pensez quand même de cette sélection? Trop dur, trop facile, trop mou, trop... pas assez motivant, trop de jeu rétro, pas assez de jeu rétro. Normalement, c'est bien équilibré, donc ça veut dire bien équilibré, ça veut dire que il y a des gens qui vont être contents et des gens qui vont être contents parce qu'il y a des gens qui aiment bien et vont en voir que les aspects positifs. Il y a des gens qui vont pas être contents parce qu'ils voient que les aspects négatifs. C'est toujours rigolo. Sélection est saucante mais trop prévisible. Ah oui, alors Senen, je tiens à le dire quand même, est la personne qui a trouvé le plus de jeux. Hein, donc ouais, les gens, bah, si vous trouvez ça intéressant, c'est parfait. Passer du Ikaruga. Ah bah, Killaï, je voulais Ikaruga. Hein. Et voilà. Donc, moi, mais voilà, on parlera. Je reparlerai beaucoup des jeux pendant. Parce que les choix ont été très compliqués à faire. Il y avait Ikaruga à un moment dans la sélection. Lovely Planet semble compliqué à suivre en tant que spectateur. Ouais, bah ça c'est sûr, hein, y a des jeux plus ou moins faciles à suivre, hein, ça m'étonne pas du tout. C'est pas très gênant, honnêtement. Bon, c'est un peu gênant, mais comme ça sera pas trop trop dur à suivre, je pense qu'on va s'en sortir. Allez. Mais putain, j'arrive pas à lui tirer dessus. C'est terrible. Ah, j'ai plus de... Allez, mais meurs, putain. Je suis très mauvais à Trackmania. Ah, Trackmania, ça commence bien. J'arrive pas à utiliser la magie. Bah, parfait. Voilà. Ah, c'est terrible. Tu crois pas que j'ai répondu à tes questions? Quelles sont tes questions? Est-ce que l'acronyme marche vraiment? Je sais pas, ça. Pipapoupapip. Ah bah oui, les raids vont être folles. Hein. Mais en gros, c'était vrai... Ah bah... C'était en gros vraiment la préoccupation de...
Il y aura, c'était la préoccupation de ce Décathlon, que ça soit fun à regarder. Peut-être que c'était trop la préoccupation et qu'on a un peu trop négligé les runners. On verra ça. Oui, il y aura un layout avec les 10 icônes dès que Urobas rentre de week-end. Il bossera dessus et ça sera dispo dès que possible. Donc vous inquiétez pas pour ça, évidemment. C'est Urobas, notre responsable graphique sur ce département-là. Voilà, ça passe bien. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est pas dur. Gonzo the real is hosting me. Ah, ben merci, Gonzo. Alors, maintenant, on peut faire des real talk de commérage. Qui, vous pensez, dépassera CDV en premier? Est-ce que CDV... What? Non, mais pourquoi je me suis baissé? C'est pas là qu'on se baisse. Est-ce que CDV va arriver à ses 1650 points? Tant de questions. À laquelle il faut trouver absolument des réponses. Donne-moi ça. Voilà. Bah, je suis trop nul. Je suis vraiment super nul à Castlevania. Mais c'est très drôle à runner. Ça me plaît beaucoup d'apprendre ce jeu. Après, heureusement que la sélection me plaît. C'est quasiment moi qui l'ai faite. Alors. Voilà, parfait. Tifa a déjà 1500 points. Toujours très optimiste, mais ça c'est une grande qualité dans la vie d'être optimiste. Ensuite évidemment on verra si ça le motive, son optimisme le motive, au contraire le démotive, hein, toujours un problème. Est-ce qu'on est déçu par ses performances quand on est trop optimiste? Je pense qu'il va très très bien s'en sortir, en particulier parce qu'il a mis beaucoup de jeux du cœur pour lui et ça c'est très bien. Là, faut un peu bourrer le bouton B en essayant de mâcher O et B. Pour l'instant, il est chaud sur 5 jeux. Tu penses que CDV va atteindre au moins 1600 points? Ah, donc optimisme, c'est cool ça. Merde, il faut splitter. Là, normalement, je pense que je risque de pas passer le niveau 3, parce que le niveau 3, c'est un peu l'enfer avec de l'eau bénite à mon niveau. Si tu y a des gens qui aiment beaucoup. Voilà, casse-toi, voilà. On se retourne, on le tue. Voilà. Ah, fais chier, casse-toi. Voilà, parfait. Hop. Mais c'est naine, tu vas voir. Elle est cool, la petite sélection. Voilà, ça c'est parfait. Je sais pas faire avec cette arme. Je sais pas faire cette zone avec cette putain d'arme. Ok. Voilà, c'est parfait ça. Oh merde, par contre j'ai plus de vie. Moi je suis dans la chiasse. Trails s'y fait peur, mais non. Combien de niveaux en tout dans ce jeu? Il y a 18 niveaux. Et par exemple là je suis arrivé au stage 7, donc ça fait déjà pas mal de points de complétion. Alors ensuite, je risque de pas arriver au bout de tous les jeux, hein. Aujourd'hui en tout cas, c'est normal. C'est fait pour. Je vais vous montrer Trials. Donc aujourd'hui, là, je fais les 10 jeux, donc ça va démontrer pas mal de choses sur les speedruns qu'on vous demande de faire. Hop là, c'est la merde. Oula. Hey Renard Auto, merci pour le host. Non mais non, parce que déjà, vous allez voir, mais oui, ensuite ça peut faire peur effectivement, mais je pense que vous allez très bien vous en sortir. Ok. Et voilà. Premier de l'UD3 pour le moment. Bon ça c'est Castlevania, le problème c'est que là je sais pas du tout faire ce niveau 100, donc on va se taper encore un petit reset évidemment. C'est normal, hein, il va y avoir beaucoup de grind, en particulier sur ce jeu. L'honneur de sa présence parmi les participants. Non, Mister MV, il va pas avoir le temps de faire ce genre de conneries. Pourquoi vous demandez de faire les niveaux sans fail, Senen? C'est parce que sinon, c'est pas lisible. En fait, sinon, la technique dans Trial, c'est dès que tu passes un checkpoint, de faire un fail exprès. Et c'est pas intéressant à regarder. Ensuite, la deuxième raison, c'est parce que le jeu, en vrai, te pousse à faire du sans faute. C'est ça le jeu. On respecte.